Alors, je sais pas si vous pouvez bien la voir, mais comme vous pouvez constater, j'avais une petite spectatrice en direct. Bon allez Caroline, j'espère que tu t'es bien échauffée, parce que ça va danser. On y va, c'est parti pour cette intro un petit peu improvisée. Salut à tous, c'est Super Mello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un énième jour de confinement. Vous l'aurez compris, je vous propose encore une chorégraphie aujourd'hui. Et cette fois-ci, on va partir en mode dancehall. N'oubliez pas que lorsque je vous dis à droite, c'est à droite pour vous aussi, et lorsque je vous dis à gauche, c'est à gauche pour vous aussi. Aujourd'hui, on va voir un enchaînement dancehall avec certains pas que je vous ai déjà montrés, d'autres que je ne vous ai pas encore montrés, mais vous inquiétez pas, on va prendre tout ça, on va faire un petit mini mélo, et je suis sûre que ça va faire une chorégraphie plutôt super. Donc, pour commencer, on va se mettre ici, les jambes légèrement plus écartées que la largeur de son bassin, c'est-à-dire en seconde parallèle. Et comme on est sur du dancehall, comme d'habitude je vous dirais, on n'est pas ici comme un Playmobil et on n'est pas ici tout mou comme un chamallow, mais on va prendre le bounce, 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 bounce. Donc une fois que vous avez bien cette base ici de bounce, c'est un mouvement vraiment circulaire, c'est pas juste je plie, je tends, mais c'est quelque chose vraiment qui est circulaire et c'est quelque chose vraiment qui va nous emmener vers la chorégraphie ou alors vers l'improvisation. Donc ça fait 3 willy bounce. On va commencer à droite et ça fait willy bounce à droite, willy bounce à gauche, willy bounce à droite, je reviens à gauche. Donc on ne fait pas le quatrième, mais on revient quand même le poids du corps à gauche pour pouvoir faire décale, 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 reste. Encore une fois, donc on le déplace, encore une fois doucement et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on arrive ici. Si jamais vous n'avez jamais vu le willy bounce, je vous mets la vidéo juste ici en fiche. N'hésitez pas à aller voir le mouvement parce que c'est bien de faire de l'à peu près, mais c'est mieux encore quand je vous l'explique, le pas tout seul dans une vidéo. Donc vous pouvez cliquer juste ici pour apprendre le pas. Donc je reprends, on a fait juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois qu'on est arrivé là, je me décale un petit peu pour me voyez. Une fois qu'on est arrivé là, on va faire le nulinga ou le sweep, c'est-à-dire qu'on va simplement passer la serpillière du côté gauche. Donc on est arrivé du côté droit et là ça va faire serpillière, change, serpillière, devant, côté, serpillière. Ça va, je ne vous ai pas perdu. Donc on est arrivé ici et ça fait 1, 2, 3, 4, croise 5, 6, petite respiration pour faire 7 et 8. Comme pour le willy bounce, à chaque fois que vous avez un pas que je vous montre, que je ne vous explique pas en détail, vous avez la fiche qui s'affiche, juste par ici pour aller voir le pas. Juste ici, imaginez-vous que vous avez une serpillière, juste un petit tissu sous votre pied et vous faites des 8 avec votre pied. Et vous passez la serpillière en même temps, même si c'est décalé le bras, hop, il n'y a pas de coordination entre les deux. Enfin, s'il y a une coordination, mais du coup, c'est inversé. Bref, je ne vous en dis pas plus, sinon la vidéo va durer trop longtemps. On est là pour faire juste l'enchaînement. Donc, je vais reprendre du début. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, reste 6, 7 et 8. Et là, vous avez fait une petite respiration. Petite respiration pour faire et 1, 2, change, respiration, 3, 4, reste, croise, gauche, croise, décroise, respire, et tu passes. De là, on enchaîne la suite, après on fera tout du début avec les comptes et la musique. Pour la suite, on va faire le bada wave, pareil, petite fiche qui s'affiche. Pour faire le bada wave, ici on va juste faire comme si on tapait des clous dans un mur sur 3 niveaux. Et de là, on a fait donc 7, 8, et de là ça fait 1, 2, 3, 4. Pour ensuite faire thunderclap. Thunderclap, on l'a jamais fait. C'est clap du tonnerre. Donc en fait, c'est coup de tonnerre. Je pense qu'on peut le traduire comme ça. Thunder, c'est le tonnerre. Clap, c'est le clap. Donc on peut dire coup de tonnerre. Je pense que c'est bon. Donc on est arrivé ici à 1, 2, 3, 4. Et de là, je vais faire... Je prépare mon tonnerre, donc ici, regardez, c'est le bras droit qui va aller en avant pour pouvoir faire lève et 5, 6, 7,
8. Je me décale un petit peu pour que vous voyez bien le son de clap. On a fait et 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ici, quand je suis là, je suis ouvert. Mon pied est vraiment là, mon pied est pointé. Je suis agrandie, je me grandis plutôt. On est là et quand je vais clapper, je vais plier, je vais changer les bras. Et en même temps, je vais clapper mes mains. Et de là, je vais venir vers l'arrière, regarder derrière et être plié. Donc on est 3, 4 et 5, 6, 7, 8. De là, on va simplement faire le stay far. Stay far, je ne sais pas si je voulais encore montrer, parce que je ne sais pas dans quelle chronologie encore je vais poster les vidéos. Mais stay far, c'est simplement qu'on va venir, on a fait 5, 6, 7, 8. On va venir faire boum et. Je le montre de profil. Donc en fait, on va dire à quelqu'un genre, reste loin. Stay far, ça veut dire reste loin. Donc on va faire deux fois même. On a fait, je monte de profil, vous allez très vite comprendre. Thunder clap et thunder clap. C'est ma jambe gauche qui va aller devant ici pour faire boum. Donc en fait, je vais ici aller vers devant et. Encore une fois, donc je suis de face à deux. Thunder clap une fois, thunder clap deux fois, on est à 8. Et de là, ça va faire comme un saut. Donc je viens sauter, je recule un peu, je suis là, je vais sauter. Et là, tu vas lui faire en haut, en bas. Encore une fois, tu sautes sur ta jambe gauche. Et de là, ça va faire et 1 et le 2, tu ne le regardes même pas. C'est-à-dire que va plus loin, ne me regarde même pas. Et 1, 2, 3, je rappuie, je redis ma tente pour faire 4, 5. Et de là, tout simplement, je vais faire et 6, 7, 8. Donc je vais faire et 6, je vais faire un... Respire, boum, comme si je faisais un boum, ça se ralentit avec un whine et je vais, ne vous inquiétez pas, tout vous réexpliquer depuis thunder clap et après depuis le début et après en musique. Aussi simple que ça, ne vous inquiétez pas, je suis là pour tout vous expliquer. Et donc on est là, on a fait 5, 6, 7, 8, j'appuie vraiment sur ma jambe gauche quand j'arrive à 8. Donc, poids du corps légèrement sur la jambe gauche pour pouvoir dégager la jambe droite et faire je m'en vais. Donc, ou plutôt va-t'en, parce que je m'en vais pas. Donc, ça fait en haut, derrière, et quand je suis derrière, je jette encore la main pour faire une troisième fois ici. Et ensuite, je fais derrière. Et ensuite, là, ça fait boum, 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 boum. Est-ce que ça va? Juste celui-là, regardez, ça fait gauche. Droite, gauche, gauche, gauche et. Je parlais des pieds bien évidemment. Donc on y retourne de là, on est là avec les comptes et ça fait 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Donc comme vous venez de constater, et que ça m'arrive très souvent, juste avant je vous ai dit n'importe quoi. Parce qu'en fait je suis en train d'improviser, je me suis logée là sur ma caméra et je me suis dit, et si je créais en live direct une chorégraphie avec vous? Et c'est justement ce qui est en train de se passer, donc ne vous paniquez pas, pas de panique, je vais vous dire les comptes ici précisément. Donc ici tout simplement on a fait 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5. 6, 7, 8 et tu peux reprendre et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, croise 5, ouvre 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Bon, j'avoue, j'ai levé la barre un petit peu plus haut que d'habitude, mais c'est parce que je pensais que vous allez suivre. Moi, j'ai confiance en vous. Bref, on se le fait depuis le début, avec les comptes et ensuite en musique. C'est parti, Willy Bounce à droite. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors le 6 est plus rapide. 6, 7 et 8 et serpillère. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Allez, en musique.
J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère aussi que vous allez tous très bien, que vous restez tous chez vous. J'espère que le temps est pas très long, si c'est le cas, il y a plein de youtubeurs, il y a plein de groupes Facebook, il y a plein de même de live Instagram pour de la danse, du sport, etc. Donc voilà, j'espère que vous pouvez vous occuper comme vous pouvez. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram si vous l'avez pas déjà fait. Si tu es nouveau, je te souhaite bien entendu la bienvenue et n'oublie pas de t'abonner juste ici. Et si tu n'es pas nouveau, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles chorégraphies. Vous pouvez retrouver plus d'infos dans l'onglet plus d'infos, comme par exemple les habits que je porte, la musique que j'utilise, tous mes réseaux sociaux. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bref, c'est tout pour moi, parce qu'on est tous des super-héros. Portez-vous bien, bye!